Messieurs, dames, bienvenue au château des Mentons. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est le symbole. Là, il y a une tour des pierres. Et on va aller par là. Suivons-nous. Allez, go. Yo les petits potes. Alors là, voilà, on va rentrer au château. Bah, tu peux couper, hein. C'est... Ok, donc. Donc là, il y a un lac. Là, vous voyez, tout ça, c'est un lac. Et on retrouve trois sortes de poissons. Donc on a le chevalier. On a la truie du lac et la on a le ferra au corail jaune. Donc voilà, c'est le meilleur, c'est la truite évidemment. Après il y a les petits poissons de merde, voilà. Ici venez, suivez-moi. Il y a des photos là. C'est magnifique. Trop mignon. Ouais, deux secondes dans un vlog là. Allez, suivez-moi. Vous pouvez voir là-bas une très belle végétation, des montagnes. Et ces montagnes-là, elles sont apparues il y a 1400 ans avant Jésus-Christ. Et en gros, elles sont dues à l'apparition de l'atmosphère. Et en gros, la couche d'ozone qui sert à ce qu'on vive, elle a atterri grâce à cette montagne. Après, à gauche, là, il y a une montagne. Ça, apparemment, dans les légendes urbaines, c'est un géant qui refait un gros caca. Donc, crotte du géant, apparemment, un géant qui aurait vécu il y a 10 millions d'années. Voilà, bah super. On se retrouve dans le château, les petits potes. Ok, donc on se retrouve ici, on est dans la cour inférieure du bâtiment C. Donc là on était à la chapelle. Il faut savoir que le nom Menton vient du fait que le château a été créé au 10e siècle et qu'à cette époque là on parlait le celt. Et le celt, ça veut dire quoi Menton? Non mais caméraman, tu peux parler Sur les rochers. Voilà, sur les rochers. Ouais, donc ici le château se situe où? Sur un rocher. Voilà, parfait. Donc là vous pouvez voir une magnifique cour intérieure. Et une magnifique fontaine. La fontaine qui servait à l'époque à laver les petits enfants. Putain. Regardez ça. Une belle représentation du caméraman. Digo. Petite anecdote, il faut savoir que les escaliers étaient tournés vers la droite. Parce que comme ça, si jamais le château faisait attaquer, les gens du dessus pouvaient se défendre. Alors que les gens du dessous étaient bloqués par ça. Et du coup, ils se faisaient baiser. Voilà, petite anecdote de passage. Bon mais ne venez jamais dans ce château, on s'est fait enfermer dans une pièce pendant 25 minutes parce qu'il y avait un guide, bref, château très nul, franchement il y a 3 pièces, j'ai pas compris si c'était un château ou c'était une maison, même mon appartement il est plus grand, ensuite les défenses, plus la merde, regarde, comment tu veux défendre des gens qui attaquent là, il y a rien à faire, bon, franchement c'est trop nul, juste, vas-y il y a une belle vue, bon on se balle, hein. Avec 11 balles, j'aurais pu me payer un bon petit menu de cuic ou McDo. Et non, ben là, on a juste marché, on a attendu, on s'est enfermé. Franchement, super quoi. Donc, recommandation 1 étoile sur 5 pour l'hospitalité, un petit peu, tu vois. Bah, regarde, non, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau gosse, toi. Il y a un beau gosse là. Donc, voilà. Il est beau, il est frais. Merci d'avoir suivi les petits vlogs. On se retrouve pour une vidéo suivante. Oh putain.